Coucou, je vous retrouve pour un nouveau retour de course donc de chez Intermarché. Je viens juste de revenir, donc je vous montre ce que j'ai acheté. C'est plus un compliment parce que mon congélateur il y a encore plein, etc. Donc soyez pas surpris de ce qu'il va y avoir. Vu que j'avais acheté pour 160 euros il y a 15 jours, 3 semaines, voilà. Après il y a pas mal de choses que j'ai pris parce qu'il y avait beaucoup de promos. Donc ça revenait, c'était intéressant, donc j'ai pris un peu d'avance sur certaines choses. Donc voilà, donc là j'en ai pour 90 euros à Intermarché. Je vous mettrai certainement, je vais essayer d'insérer le détail pour que vous puissiez voir. Après je me souviens de certaines choses. Donc voilà, donc j'ai acheté deux paquets de Tassimo Cappuccino. Parce que pour ceux qui le savent, je me suis fait opérer de la sleeve, donc je suis très j'aime bien le café, mais ça passe plus. Depuis que je me suis fait opérer depuis un an et demi, le café, ça me donne nausée. Par contre, le cappuccino, ça passe bien. Donc même quand je mets du lait dans le café, ça passe pas. Donc j'ai acheté deux cappuccino. Ensuite, dans le frais, j'ai pris deux fromages brie comme ça. Alors je prends celui-là parce que mon mari il l'aime bien. Donc je prends la marque Pâturage. C'est ce que mon mari aime, donc voilà, comme il aime, je prends ça. Donc j'en ai pris deux, parce qu'on mange quasiment pas de viande, mais par contre, on consomme pas mal de fromage. Donc j'ai pris de l'avance, parce que là, on est jeudi. Demain, je travaille pas, mais j'ai l'électricien qui vient pour faire l'électricité dans l'extension. Donc je pourrais pas faire, j'aurais pas le temps d'aller faire les courses. Et après, je travaille samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, certainement jeudi. Et après, vendredi, je travaille pas. Et je travaille samedi, dimanche d'après qui suit. Et toute la semaine qui suit. Donc en gros, là, pendant 15 jours, je vais travailler non-stop, sauf vendredi prochain. Et je n'ai pas forcément envie d'aller faire les courses le vendredi. Donc là, j'ai fait des courses pour qu'on tienne. Donc c'est un complément pour qu'on tienne 15 jours, voire 3 semaines, juste avant de partir chez mes parents en vacances fin juillet. Donc voilà. Donc normalement, je ne devrais plus faire de courses d'ici fin juillet. Donc voilà. Donc j'ai pris deux brie. J'ai pris deux fromages comme ça, donc c'est dans le même style que Chaussée aux Moines, que mon mari adore. Donc on avait voulu tester la marque du magasin pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc pareil, j'en ai pris deux. J'ai pris un morceau de saumon, il était en promo à 14 euros le kilo, donc j'ai pris 200 grammes. C'est pour faire une je sais pas encore, une recette avec ma fille et puis mon mari. Certainement, je vais peut-être faire des petits feuilletés. Des feuilles de brique saumon, donc voilà, on verra bien. Après j'ai pris la Brie Delice. J'ai pris Brie Delice 12% de matière grasse. Je voulais prendre la marque du magasin en sachant que la Brie Delice revenait moins cher, donc j'ai préféré prendre celle-là. Ensuite j'ai pris de la crème entière, donc marque du magasin. Moi je fais un mix selon les recettes, c'est plutôt crème entière, d'autres plutôt voilà. J'ai pris un camembert l'Auguste de Pâturage, marque Intermarché, donc celui-là je l'aime beaucoup, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris le gros paquet de surimi parce que je le trouve vraiment bon, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris un paquet de petits Louis comme ça par 12 portions. Donc les petits Louis, faut pacifier, c'est pas pour ma fille, c'est pas pour moi, c'est pour monsieur, il adore ça. Donc il prend ça en petit goûter, en dessert, en grignotage. Donc voilà, les petits Louis fromage. J'ai pris de la vache qui rit marque Pâturage parce que franchement des petits fondants, je trouve que ça a exactement le même goût que la vache qui rit, donc je me prends pas la tête, je prends cela. Ensuite j'ai pris un reblochon. Ça, c'est pour faire une recette au four à base de pain et de jambon. Donc, je vous montrerai dans la semaine ce que j'en ai fait. J'ai pris une mozzarella marque Intermarché. Ensuite, j'ai pris trois petits paquets de gruyère, comme ça, des mentales, parce que c'était 35% remboursé. Donc, ça valait le coup. Donc, j'ai pris trois fois trois paquets. Parce qu'on en consomme quand même pas mal, comme je vous ai dit, on mange pas de viande très peu, donc on mange pas mal de fromage. Donc je vais en congeler une partie, le reste au frigo. Donc 3 paquets, bah, 3 fois 3 paquets. J'ai pris le Babybel, donc j'ai pris 3 paquets de Babybel parce que pareil que le petit Louis, mon mari en consomme beaucoup. Il grignote ça comme ça, et ma fille de temps en temps elle en mange. Moi j'en mange pas, j'aime pas ça. Mais j'en ai pris trois parce que c'était deux filets achetés, un gratuit, ça revenait vraiment pas cher.
Donc je devais en acheter en plus, donc de ce fait j'ai fait un peu de stock. Ensuite j'ai pris 3 paquets de jambon, vu comme ça, pareil, c'était 2 achetés en gratuit, c'était en promotion, ou alors 35% remboursé. Oui, je sais plus trop, mais en fait c'était en promotion, donc j'ai pris, c'est par 6 tranches, marque Intermarché, sans couane. Donc le jambon, ça va me servir pour ma recette avec le pain et le reblochon, ou alors croque-monsieur, ça passe très bien, ou moi je le coupe en dés, je le mets dans... Je coupe en petits morceaux, je fais des salades avec, ça passe très très bien. Ensuite, j'ai pris maxi format par 8 des Yop à la fraise. Donc mon mari aime bien, ma fille aussi. Et là, c'est pareil, c'était en super promo. Donc je ne sais plus à combien, je sais bien serré. Mais c'était en promo, donc je les ai pris. J'ai pris les yaourts marque pâturage comme ça, avec le coulis de fruits. Ceux-là, ma fille, elle les adore. Donc j'en ai pris 6. Et en même temps, j'ai pris les yaourts aromatisés, marque pâturage, parce qu'ils sont très bons. Donc j'ai pris ça en sachant que ma fille les aime bien. Et j'ai encore au frigo des yaourts d'Annette, chocolat, etc. Donc je n'ai pas voulu rajouter, je n'ai pas voulu racheter encore des crèmes dessert. Donc on est resté sur ce coup-ci, simple, aromatisé. Donc voilà, je vais tout mettre ça au frais et après je reviens. Allez, on est reparti. Donc j'ai pris quelques fruits et légumes, très très peu, pas beaucoup, j'en ai encore au congélateur et pareil, je ne veux pas remplir le congélateur avant qu'on parte dans 15 jours, 3 semaines en vacances. Donc j'ai pris un melon comme ça, un melon jaune, que je vais faire en petit, je vais tout couper, pré-couper, tout préparer, mettre au frigo et dans un petit tupperware, comme ça au moins c'est prêt à déguster. J'ai pris 6 bananes comme ceci, elles étaient à 1,49€ le kilo, donc j'en ai pris 6 parce que ça va être les vacances, le matin pour déjeuner ma fille elle aime bien, et moi quand je pars à 6h du mat j'ai pas trop le temps de déjeuner, donc je mange sur la route dans la voiture. Donc voilà, j'ai pris 2 avocats, donc ils sont pas mûrs mais bon, je les ai laissés mûrir, ils étaient en promo à 1,20€ les 2 avocats, donc c'était vraiment pas cher. J'ai pris 2 sachets de 3 parce que je vais refaire des paritas, et en même temps quand il m'en reste un petit peu, ce que je fais c'est que je les coupe et je les mets au congélateur, comme ça c'est prêt pareil à déguster, c'est prêt à utiliser. J'ai pris 2 concombres aussi, donc moi j'aime bien, mon mari, ma fille ils aiment pas trop, mais bon c'est pas grave, ça c'est pareil, je les prépare à l'avance, je fais des rondelles, je les fais des concombres à la crème, comme ça j'ai plus qu'à manger quand je rentre à 21h du taf et que je suis fatiguée ou quoi que ce soit, j'ai juste à le sortir du frigo, hop, c'est fait, en assiette, on n'en parle plus. Donc là c'était en promo aussi, c'était 2 pour 1,20€, donc j'ai pris 2. Alors ensuite j'ai pris, n'ayez pas peur de la quantité, c'est pour 3 semaines, s'il y en a, on le prendra sur la repas chez mes parents, et mon mari en consomme aussi pas trop mal, donc voilà, moi aussi un petit peu, mais bon, pas autant. J'ai pris un paquet de Monster Munch salé, c'est le préféré de ma pupuce. J'ai pris un paquet de chips à l'ancienne, comme ça, marque Intermarché. Un deuxième. J'ai pris des Doritos. Donc on n'en achète quasiment jamais, mais c'est vraiment une petite crise de temps en temps quand on en a envie. Donc là je les ai achetés, c'est plus pour mon mari, parce que moi je n'aime pas du tout ce qui est à base de maïs. Et j'ai pris 2 paquets comme ça, des extras, mes préférés c'est des ondulées, je les adore, elles sont toutes ondulées, on dirait des tahitiennes toutes ondulées. Bon, cherchez pas, j'ai bossé toute la matinée, je suis rentrée, j'ai fait les courses, donc je suis un petit peu fatiguée, donc ça part un peu en sucette, mais vous inquiétez pas. Et j'ai acheté un craquis au fromage. Donc ça c'est pas mon délire, mais de temps en temps ça se laisse manger. Et j'ai pris 2 paquets de pain de mie Harris. Donc je prends tout le temps le Harris pain complet. Le marque du magasin pour le coup j'aime pas, je trouve trop alvéolé, trop léger. Je trouve que c'est pas... Voilà, je préfère celui-là, donc je prends celui-là. Donc là je les ai pris par 2. Ensuite j'ai acheté ça en promo à Lénor, donc c'était moins 50%, ça m'est revenu à 2,30€ au lieu de 5€ et quelques, je crois que c'était ça. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là pour tester à l'orchidée.
Ensuite, j'ai pris de la Soupline. Donc, moi, j'adore celui-là, de Soupline concentré grand air. Je trouve qu'il sent super bon. Sauf que celui-là, je ne l'avais jamais vu. C'est le Rêve de Nature. Donc, c'était un acheté, un gratuit. De ce fait, j'en ai pris deux. Comme ça, je les ai d'avance pour le coup. Donc, je les ai pris. J'ai pris du vinaigre blanc. Ça, c'est pour le ménage. Donc, voilà, il n'y avait que celui-là. Il n'y avait pas d'autres marques. Donc, j'ai pris celui-là. Il coûte super cher. Il coûte 2,90€. Mais bon, comme il n'y avait que celui-là, j'ai pris ce qu'il y avait. Ensuite, j'ai pris une huile ISO 4. ISO 4, c'est la marque du magasin, mais c'est Ecalio 4 huiles végétales. Donc, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est un mélange d'huile, comme ça, on ne mange pas qu'une seule huile. C'est colza, tournesol, pépins de raisin. Et voilà. Donc, c'est un mélange d'huile, donc c'est très bien. Moi, je trouve que ça change. Ça évite de manger tout le temps la même huile. Et c'est des huiles qui n'ont pas trop de goût. Donc, c'est très bien. En plus de ça, j'ai pris 3 packs d'eau. 3 packs d'eau, c'est de la marque du magasin, de la Fée des Lois. Donc, c'est marque du magasin. J'ai pris celle-là parce que c'était 2 packs achetés, 1 pack offert. Donc, ça revenait un petit peu plus cher que la cristalline que je prends d'habitude. Mais bon, au moins, ça fait changer les eaux. 2 packs achetés, un gratuit, autant les prendre. Donc, voilà. Et j'ai pris 4 rouleaux de sopalin APA. Donc, marque du magasin. Ça, ils sont très bien et ça me suffit largement. Je prends pas les marques éco parce que pour le coup je trouve que c'est pas assez épais et on est obligé d'en prendre 12, donc c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc voilà, le retour de course est terminé pour aujourd'hui. Je vous montrerai dans la semaine ce que j'ai fait un petit peu avec ce que j'ai. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, parce qu'il y a des retours de course toutes les semaines, des hauls, etc. Et on parle un petit peu de tout sur ma chaîne, donc un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et puis à bientôt, au revoir.